Bonjour à tous, Frédéric Frabert, ceinture noire de l'équipe Manimal University, représentant Jackson Polo Team. Avec mon élève, Franck Féjean, ceinture violette. Je vais vous présenter trois techniques sur la base de Kimura pour prendre le dos. Une technique qu'affectionne beaucoup André Galvao durant ses combats. Depuis la demi-garde. Il esgrime. Troisième option depuis la latérale. Il esgrime. Je vais décomposer les trois techniques. Première technique. Je suis debout sur un travail basique. Donc il vient se relever pour attaquer cette jambe. Je vais tout de suite attraper le poignet, enrouler le bras et venir rouler sur mon épaule. Ici, il va s'offrir trois possibilités. La première, c'est qu'il va essayer de se relever. Là, je le retiens. Mon genou va glisser à l'intérieur, ici. Premier crochet, je vais prendre seatbelt, ici. Ensuite, je vais changer de côté. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il défend en montant sa jambe. Je viens contrôler ses hanches, bien contrôler son dos, bien rester serré. Je vais compter pour ouvrir, pour rentrer cette jambe. Cette même technique peut s'affectionner aussi à partir de la demi-garde. Donc, je suis en demi-garde ici. Enfin, mon adversaire esgrime ici. Je vais venir enrouler ici, commencer à me laisser tomber, prendre le poignet et saisir. Ici, en général, il va essayer de saisir, de garder les jambes serrées pour que je ne puisse pas sortir la jambe. Je vais m'aider avec cette jambe pour sortir. Et ensuite, la même chose, je glisse, je viens prendre le dos, je change. S'il monte la jambe en défense, je contrôle ici, je viens compter pour faire ouvrir et je rentre ici. Troisième technique sur la même chose, c'est le même travail, sauf que on peut la faire de debout, depuis la demi-garde et depuis la latérale, quand notre adversaire esgrime. Pour essayer de sortir ici, je viens enrouler là et je me laisse tomber ici. Ici, une autre possibilité, c'est que je peux partir sur Jujigatame. Au moment qu'il se relève, je retiens, je glisse, je rentre ici, je viens développer. Merci au magazine Jits